Salut tout le monde, c'est Polo et bienvenue sur cette vidéo ouverture déballage unboxing découverte de 4 Pokémon, ça va être tout simplement fou. Alors aujourd'hui on continue notre marathon avec l'ouverture des cartes Celebrations, on n'a pas le temps de niaiser. Alors il me reste toutes ces boîtes Pokémon à ouvrir et je vais laisser mon fiston choisir deux boîtes. Vas-y petit bonhomme, choisis deux boîtes. Ah, c'est pas le plus cher? Ok, alright. Ini, mini, mani, mo, je te choisis, Pépito. Alors, on va ouvrir la boîte de droite. Donnez-moi juste une seconde. Donc, parmi toutes les boîtes que mon fiston pouvait choisir, il a décidé de prendre les deux les plus dispendieuses. Voyons donc, c'est incroyable. Il n'aurait pas pu faire un petit mix comme le Pikachu V-Union ainsi que les Chernobox, je sais pas, mais non. Il a décidé de prendre deux les Chernobox. Mais bon, il sait qu'il y a plusieurs packs à ouvrir ici, alors il est intelligent. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Celebrations, 2 Darkness Ablaze, me semble, oui, un Battle Styles, un Chilling Rain, ainsi qu'un Vivid Voltage. Nous avons le guide juste là, nous avons aussi un guide, désolé, j'allais dire un guide d'énergie, un pack d'énergie, des jetons, nous avons aussi, oh, ça c'est très important, le code qui va avec la boîte, des jolis dés juste là, nous avons aussi des super sleeves, que je vais jamais utiliser malheureusement parce que c'est pas les sleeves que j'aime, et, hey, non, encore une fois, j'ai pas mon Greninja, oh non, attendez, oh, ma bad, ça m'est déjà arrivé une fois que je n'avais pas ceci, ça m'a fait peur, je croyais qu'on l'avait perdu, et puis, ouais, on a aussi 4 séparateurs, je vais les chercher dans quelques instants, oh là, j'ai eu tellement peur que j'avais pas cette carte pour la seule raison que ça m'est déjà arrivé auparavant, j'ai ouvert les Trainer Box et le Greninja Star n'était pas là, malheureusement, Ah, ça m'a fait mal au cœur, mais bon, ce n'est pas grave, je vais en avoir une tonne. Donc, nous avons nos packs Celebrations ici, on va tous les ouvrir tout de suite, pas le temps de niaiser. J'espère qu'on aura le Dracaufeu aujourd'hui et... Oh yeah, voilà, perfecto. Donc, nous avons un Kyogre juste là, et ensuite, nous avons Reshiram. Vas-y, Steve. Oh, c'est quelque chose de fou! Oh, yes, je l'ai pas cette carte! Alors, ça va aller dans mon Master Set. Mewtwo EX, super bien fait. Wow. Ok, attends, toi, je vais te mettre ici. Nous avons un Lunala juste là, ainsi qu'un code juste pour vous, ma chère familia. Et maintenant, on va continuer notre ouverture. Oh my god! On commence déjà avec un super pack, et là, ça veut pas s'ouvrir. Mais bon, allez, on y va. Donc, Cosmog, Wyvetal, vas-y, Steve. Oh, c'est juste un Palkia. Ainsi que Pika Pikachu. Ok, je l'accepte. Oui, Steve, alright. Donc, nous allons ouvrir notre troisième pack. On y va. Aujourd'hui, en tout, on a 20 packs de Celebrations à ouvrir. J'espère vraiment obtenir le Charizard parce que je ne l'ai pas encore eu. Donc, Palkia. Ho. Oh, Zekrom, vas-y, si tu peux révéler la dernière carte, qui est un joli Zamazen Tabi que j'ai besoin. Ok, on va mettre ça là, tranquille, relax. Pour ceux qui ne savent pas, je fais 6 Master Sets de Celebrations. Ça va être un petit peu long à les compléter, mais puisque je cherche toutes les cartes pour mon premier set, je sais que je vais avoir beaucoup de doux, beaucoup de trips, ou même des clones par-ci, par-là. Alors, Flying Pikachu V-Max, yeah! Alright, on va le mettre ici. Oui, donc, c'est ça. Je vais avoir une tonne de copies de plusieurs cartes. Alors, je me suis dit, pourquoi pas faire 6 Master Sets en tout? Et de cette façon, je vais remplir mon cartable au complet parce que je peux mettre 6 Master Sets dans mon cartable. Reshiram. D'ailleurs, gars, vas-y, Steve. Charizard. Come on. La carte qui est derrière. Oh! Cleffa! Ainsi que Lunalala. Et maintenant, ça, on va mettre ça. Yo, mon fiston sait pas que cette carte est valable, man, voyons donc. Alors, on dirait que dans tous les packs, on va obtenir quelque chose de fou. C'est ça que j'adore des Celebrations. Il n'y a pas beaucoup de cartes, mais on a beaucoup de chances de pogner quelque chose de fou. Donc, Groudon, Kyogre, Dark Gardos! Yes! Oh mon dieu, les amis! Dans cette boîte, j'ai pogné 2 cartes que je n'avais pas. Le Mewtwo EX et le Dark Gardos. Oh mon dieu, les amis, c'est incroyable. Oh. Mon Master Set va se compléter bientôt. C'est tout simplement fou, man. Donc, donnez-moi une seconde. Je suis désolé si je vous pète les tympans. Je fais pas exprès. Zekrom, Lugia. Vas-y, Steve. Allez, petit Charizard. Oh, oh, pendant un instant, j'ai cru que c'était Charizard parce qu'il était rouge. C'est Professor's Research qui est là. Oh my god. J'avais tellement hâte de sauter de joie parce que je me préparais là. Mais en fait, je devais pas le faire parce qu'il est même pas venu. Anyway, mon petit Zekrom est là. Dialga. Birthday Pikachu! Oh mon dieu, c'est une tune de box, c'est fou. Mon fisson. Wow! Flying Pikachu vive! Oui, mon fiston a pogné des tellement bonnes boîtes. Je sais pas si c'est des tellement bonnes boîtes, mais
Pour l'instant là, je ne suis pas déçu, c'est incroyable. Mon fils a des mains magiques. Donc, Dialga, Kyogre, oh, Wyvetal. Oh mon dieu, Fly Pikachu V. J'ai même pas un pack qui a été pourri, c'est incroyable. Donc, ceci est le dernier pack de Celebrations de Celebrity Trader Box, mais ne vous en faites pas. On a une autre boîte à ouvrir. Lugia, vas-y Steve. Reshiram. Comment, t'es capable, Ok, derrière, y'a rien. Oh, Venusaur! Oh mon dieu, vous n'êtes pas sérieux! Ainsi que Mew! No way! Honnêtement, c'est totalement incroyable! Cette boîte était trop cheatée, c'est trop fou, je sais pas quoi dire! Alors, Mewtwo EX, tu vas aller dans mon carton bientôt. Dark Girdle, ceci. Oh, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais cette carte, l'original, mais... Ouais, j'ai perdu mon cartable. Alors, regardez-moi toutes les cartes qu'on a eues dans cette boîte. Nous avons eu 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5 cartes du set normal et 1, 2, 3, 4, 5 cartes du subset, du classic set. Je sais pas quoi dire. Ok, attendez, on va mettre ça là, je vais les placer plus tard. Anyway, on va aller avec du Darkness Ablaze. Et là, le truc, c'est que je suis très excité. Mais même si je paye rien dans les 5 packs qu'on va ouvrir, je m'en fous. On a gagné avec cette boîte déjà, oui. Donc, Darkness, Energy, Staravia, Zweedus, Pupitar, Grand Mr. Mime, Grimer, Clink, Skitty, Pansage, Decido, Ayowino, et un autre Decido. Ok, alright. En fait, quand je vais laisser mes cartes stackées comme ça pour la simple et unique raison que ça fait de l'espace ici d'habitude, je mets toutes les cartes ici, un par un, et ça prend de l'espace et je sais qu'on va obtenir d'autres bonnes cartes, alors je préfère ne pas les abîmer si possible. Alors, ouais, on va les laisser là stackées, c'est nice. Donc, énergie, feuilleux, sol, rock, Kaboo, c'est Message, Mount Sweet, Snubble, Meltan, Bonobby, Paras, Sponge, Sage, vas-y. Oh, je vois quelque chose, crazy. Oh, ok, c'est pas aussi crazy que ça, c'est un Grimmsnarl, hey, je l'accepte, oui. Ne t'en fais pas, mon frère, même si tu n'es pas une carte valable, tu vas avoir ton traitement VIP. Je me suis dit que je vais donner ce traitement à toutes les bonnes cartes, voyons donc. Alright, donc, Battle Styles, je veux juste une carte là-dedans. Mais en fait, je veux une tonne de cartes. Mais il y a une carte en particulier que je veux, c'est Licky Licky Reverse. Alors, c'est la seule reverse qu'il me faut pour compléter mon master set de reverse. Donc, Energy Recycler, Urn of Vitality, Girder, Onyx, Sizzlipede, Glameow, Grand Slowpoke, Yamper. Ah, c'est pas du tout ce que je voulais. Ainsi que Cherry Merino, je vais aller le manger plus tard. Nous allons maintenant passer à du Chilling Rain tout de suite. Nous allons garder le Vivid Voltage pour la fin parce que c'est le best des best. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Wapadai! 1, 2, 3, 4, Fire! Fire. Alright, Expedition Uniform, Hatchim, Flaffy, Larvestas, Sobol qui fait la méditation, super génial. Lady Bass, Scovet, Crab Brawler, Justified Gloves et Seeker, Sauceback. Je l'ai toujours ce mec là, c'est pas croyable. Alright les amis, est-ce qu'on va avoir un super Pikachu de la mort qui se retrouve là-dedans? Telle est la question. Je crois pas parce que j'ai obtenu une tonne de Pikachu aujourd'hui dans Celebrations là, mais bon. Donc, électrique, est-ce que c'est jaune? Il y a divers. Come on, bro! The Wyndon Stadium, Metang, Magnina, Voltorb, Rockruff, Talo, Yanma, Wooper, Dudadudon, vas-y Steve! Balascuda, il y avait vraiment rien dans ces packs. Mais tu es quand même chanceux que tu brilles et que tu as une petite étoile juste là parce que tu es une rare qui brille. Alors tu mérites une belle pochette, tu vas aller là. Et maintenant, nous allons ouvrir cette boîte. Oh, désolé. Cette boîte, faut mettre le tout droit. Très content de voir que ce bonhomme n'a pas disparu de ma belle boîte qui s'appelle le Elitune Box. Alors, tu vas aller juste là et tu vas aller au-dessus de l'autre Greninja Star. Nous avons nos packs juste là et vous avez le code juste là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alright, la Pokémon Company ne m'a pas crossé, ne m'a pas arnaqué. On va ouvrir ça tout de suite en espérant qu'on va avoir un Charizard. Je le cherche depuis une éternité. J'ai plein de Venusaur Blasters, mais pas de Charizard. Ho ho, Groudon. C'est un classique. Blastoise, vous n'êtes pas sérieux? Dark Girdles encore! Oh, je l'accepte! Yes! Oh mon dieu, ZHNB! J'adore avoir des double hits dans ce set-là. Tu peux avoir des double hits à longueur de journée. C'est incroyable, les amis. Alors, on va continuer. On n'a pas le temps de niaiser pour vrai. J'espère obtenir une tonne de double hits maintenant. Allez, come on. Incluant un Charizard est là. Je sais même pas comment je suis en train d'ouvrir le pack. Ne me demandez pas ce que je fais. Je suis en train de faire n'importe quoi parce que je suis trop excité. Zekrom, Wyvetal, Xerneas et Lunala. Je sentais que j'allais rien avoir dans ce pack, malheureusement. Ah, j'ai eu trop de bons double hits. Vous ne trouvez pas? Donc, ici.
Ok, Steve, t'es prêt à révéler les bonnes cartes? Quand c'est lui qui le fait, on a toujours quelque chose de fou. Zekrom, Palkia. Vas-y, Steve, vas-y, vas-y. T'es capable, t'es capable. Oh, c'est un classique! Clefa! Clefa! Oh, derrière, je vois quelque chose! Steve, révèle ça. T'es capable? Oh! Surfing Pikachu V-Max, j'en avais besoin! Oh mon dieu, les double hits aujourd'hui, c'est crazy, man! Et attends, est-ce que je vous ai bien montré ça? Voilà, perfecto! Donc, ici. Allez. Steve, est-ce que ça va être rouge, oui ou non? Il a pris du temps à répondre, il est pas sûr. Palkia, vas-y, Steve, t'es capable. Oh, 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 come on, man! J'étais tellement excité, j'étais sur le point de sauter de joie. Oh my god, t'es en train de me troll, mon petit Reshiram, man. Oh non, 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 moi je veux plus te voir, petit Reshiram, même si tu es nice comme Pokémon. Donc, Lugia, vas-y, Steve, allez, Charizard, Charizard, t'es capable. Oh, Groudon! Oh, Professor's Research, pourquoi on n'a rien ici? C'est vraiment dommage. Des fois, on a des double hits, mais en fait, dans ces Little Box, soit on a des double hits, soit on n'a rien du tout. Vous avez remarqué ça? Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, Cosmo... Oh, j'ai vu quelque chose. Cosmoem, Groudon, vas-y, Steve. Oh, Don Mewtwo EX, no way! Vous avez vu ça? Soit c'est des double hits, soit c'est rien du tout, c'est incroyable. Steve, tu peux mettre le Mewtwo juste là, s'il te plaît? Oh oui, bravo mon amour. Ok, let's go. Double hit ou rien du tout. All in, go big or go home. Donc, Kyogre, Reshiram, soit quelque chose de fou, s'il te plaît. Oh, non. Oh, c'est rien du tout. Je sais pas ce que... Oh, ok, ok. Pendant ça, je croyais qu'on allait rien avoir, mais c'est Imposter Professor Oak et Lunala. Ok, c'est pas obligé d'être un double hit dans ce box, on dirait bien. Donc, il nous reste encore 3 packs. On ne perd pas espoir. Je suis sûr à 100% qu'on peut faire quelque chose de fou. Donc, let's go. Kyogre. Vas-y, Xerneas. T'es capable, t'es capable. On dirait que c'est glissant pour lui, hein, Cosmoem. Pika, Pika, Pikachu. Je l'accepte, les potos. Donc, ici, avant-dernier pack. Est-ce qu'on est capable? Telle est la question. Ne perdez jamais espoir. Si vous perdez espoir, eh bien, vous avez 0% de chance d'avoir quoi que ce soit. Lugia. Oh, Cosmog. Oh, c'est Zamazenta. Surfing Pikachu V. Je l'accepte. Ok, dernier pack. Je vais bénir ce paquet de cartes. Vas-y, Steve, bénis ça. Voilà, et maintenant, si on n'a rien, eh ben, oh, je suis très content. J'ai eu une tonne de bons trucs, non? Donc, Zekrom. Ho, ho. Allez, est-ce que Charizard est là? Oh, Xerneas et Lunala. Oh là 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 là. C'est vraiment dommage. Ne vous en faites pas, ces petits Pokémon vont recevoir leur traitement VIP. Et je vois que mon fiston a terminé de donner son traitement aux Pokémon qui sont juste là. On va les placer. Donc, on a eu 5 cartes du set normal et 4 cartes du subset, du set classique. Alors, ouais, je trouve que... Oh, my bad. C'est quand même bon. On a quand même minimum une bonne carte par pack. À part dans cette boîte-là. Parce que dans l'autre boîte, j'ai eu 10 bonnes cartes. Ici, j'ai eu 9. Donc, à peu près une bonne carte par pack. Ouais, ok, alright. Donc... Let's go, on y va. Énergie, Métal, Dartrix, Staravia, Chinotic, Rowlet, Scovet, Spinarak, Larvesta, Hippopotas, Staraptor, vas-y Steve. Et un Hoopa 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 Hoopa. Prochain pack de Darkness Ablaze, on va voir si on va avoir quelque chose de fou. Let's go. Est-ce que je retourne la carte ici pour savoir si c'est vert ou blanc? Oh, c'est blanc! C'est blanc! Ok, quand c'est blanc, ça veut dire qu'on a quelque chose qui est meilleur qu'un Holo Rare. Donc, Énergie Darkness, Dartrix, Glimwood Tingle, Lyron, Clink, Skitty Skitty, Pansage, Golette, Vanillite, Billowing Smoke, vas-y Steve! Allez, comment, comment, t'es capable? Allez, pourquoi tu fais ça? C'est suspect sans maudit, vas-y Steve, prends-le! Eternatus V, alright! On passe à Battle Style juste là. Et maintenant, on va voir si on va avoir notre Licky Licky Reverse Arena. Let's go! J'ai une tonne de cartes non-hollow de Licky Licky, mais moi je veux la version Reverse. Rapid Trust, Scroll of Swirls, Buffalon, Crowdon, Cherubi, Pachirisu, Shimiko, Kimiko, Chimeko, whatever, Hone Edge, Horsey. Ah, Explicher, c'était pas ce que je voulais. Mais on a quand même un Houndoom Hollowware. Ok, alright. Chilling Rain, j'espère que je vais avoir un oiseau qui brille, s'il vous plaît, bro. Donc, let's go. Whoop-a-day. 1, 2, 3, 4. Allez, fire, 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 fire. Electrico. Donc, Rapid Strike, Scroll of the Skies. Kurdia, Fog Crystal, Aran, Snow Run, Snover, Venipede, Gary Snowpoke. Nous avons un Dearling ici. Alright, boy.
Like Candy Rock. En tout cas, que je pas juste des Hollow Rare. Dernier pack de la journée. Est-ce qu'on peut finir en beauté selon vous? Allez, le petit Pikachu avec le background rose ou le Pikachu V-Max Rainbow Boy? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je sais que j'en demande trop, mais on n'est jamais assez égoïste dans les cartes Pokémon, n'est-ce pas? Bah, en tout cas, Excadrill, Swoobat, John Rotom, Tynamo, Globopus, Woobat, Taillow, Charmander, Drenon, ainsi que Whimsicott. On a vraiment quasiment rien eu dans ces packs! Petit résumé de la vidéo, nous avons obtenu 4 Reverse ainsi que 5 Hollow Rare juste là. Mais ici, c'est le plus important, c'est crazy! Donc nous avons Eternatus V ainsi que Grimmsnarl V de Darkness Ablaze. Et là, on est rendu dans les packs Celebrations. Surfing Pikachu V, Flying Pikachu V, Pikachu, Pikachu, Surfing Pikachu V Max, Flying Pikachu V Max, Flying Pikachu V Max. Tellement de Pikachu, c'est incroyable! Zacian V, Zamazenta V, Zamazenta V, Cleffa, Cleffa, Dark Girls, Mewtwo, Mewtwo, EX, oh my god, c'est trop crazy, man! Imposter Professor Oak, Venusaur, Birthday Pikachu, et deux Grey Ninja Star. Oh là là, c'est totalement incroyable, man! L'heure est venue de placer des cartes dans nos Master Sets. J'ai Dark Gyarados ainsi que Mewtwo EX que je peux placer dans mon Master Set de Celebrations. J'ai aussi toutes ces cartes qu'on a obtenues aujourd'hui dans Celebrations que je peux placer dans mon cartable, mais c'est pour mes autres Master Sets. Vous allez voir dans quelques instants. Alors, tout d'abord, j'ai ça à placer dans Darkness Ablaze. Pansage, c'est juste... Ah, voilà! Ici, whoop-a-lay! Dans les 20 secondes, on va ouvrir le set de... comment ça s'appelle? Celebrations dans quelques instants. Nous avons aussi, attendez une seconde, ceci, nous avons deux cartes, Lieu Deerling Reverse ainsi que Lycanroc Hollow Rare à placer dans Chilling Rain. Alors, Deerling, ah voilà, donnez-moi une seconde, c'est dur de faire le tour à une main, j'essaie de prendre la carte de Deerling depuis tout à l'heure, mais c'était collant en maudito sur la table, je sais pas pourquoi. Et maintenant, on va aller dans la section de Lycanroc qui devrait être, oh non, c'est un petit peu plus loin, Lycanroc, pour vrai? Voilà. J'ai la version reverse, mais j'ai pas la version Hollow Rare juste là. Donne-moi une seconde. Perfecto. Donc, on a bouché beaucoup de trous aujourd'hui. Et maintenant, on prend le set de Celebrations. Alors, le truc, c'est que, pour ceux qui ne savent pas, je n'ai pas mis de cartes dans la première page parce que, en tout, ça prend 6 pages de 9 pochettes, si je peux dire ça comme ça, pour compléter un set de Celebrations. Alors, j'ai pris, comme... les pages qui sont là pour compléter le set. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, le Dark Gyarados se retrouve juste à côté de Imposter Professor Oak. Donnez-moi une seconde. Ouais, faire le tour à une main, c'est super difficile. Je suis vraiment désolé si ça prend beaucoup de temps pour faire cette partie. Le Mewtwo EX va à côté, ben plutôt après Zekrom, en bas de Danfan. Donc, en tout, il me reste quoi? 1, 2... 3, 4, 5, 6 cartes à obtenir pour compléter mon set. Je pense, je suis passé à 100%. Mais bon, si on continue à tourner les pages, vous pouvez voir mes autres master sets de Celebration. J'en fais 6 en tout. Je sais pas combien de fois je l'ai dit aujourd'hui, mais j'en fais 6. Alors, toutes les cartes qui sont là, je les placer dans ces sets-là. Mais je vais faire ça en vidéo, sinon ça va prendre une éternité. Alors, mes chers potos, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. Alors, aujourd'hui, on a fait des trucs intéressants. On a obtenu 2 nouvelles cartes qu'on peut rajouter dans notre master set principal de Celebrations. Nous avons obtenu tant de cartes qu'on peut rajouter dans les autres master sets. En tout cas, c'était totalement incroyable. Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel. Vous procurer l'un de ces t-shirts de fou grâce au site qui se trouve juste en bas de l'écran. Vous pouvez me suivre sur ces réseaux sociaux. Prata, thank you very much for the support. Amigo, et surtout vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!